Je pense qu'on peut dire que c'est l'équivalent de la redécouverte de la Sixtine après la Restauration, du plafond de Michel-Ange. Là, c'est pareil, l'œuvre originale était cachée par des voiles de saleté, altérées, les couleurs étaient totalement faussées. Et aujourd'hui, c'est la même chose. On retrouve ici, on a cette chance d'assister quand même à une renaissance, la renaissance d'une œuvre grâce à ce traitement de restauration. Ici, la peinture n'était pas particulièrement abîmée, si ce n'est qu'en effet, il y a quelques lacunes, quelques usures. Et aujourd'hui, nous, on ne comble ces lacunes avec des couleurs que là où il y a des lacunes. On ne couvre pas la matière originale. Mais autrefois, les restaurateurs, c'était plutôt des peintres, en fait. Et plutôt que de retoucher minutieusement lacune par lacune, ils repeignaient la totalité d'une figure.